Sceau de la foi, c'est dans la glace? Non, ok. C'est au-dessus. Ah ouais, ok. Chey, s'il te plaît. Merci beaucoup. Tout ça pour ça. Trop tranquille par ici. Pas de criminels, pas de britanniques. Tu es fou. Voudrais bien avoir la belle vie. Profites-en. La fortune me sourit. Faut veiller à ce que tout reste. Oh. Ouais, non, mais ça va dans l'eau. Non, 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 tout calme. Hein. Tu portes des lourdes cagettes d'aliments pour mettre en place avant le restaurant. Non, ça va, mais ce qui me gêne, c'est station debout, ça me tasse le dos. Pour beaucoup pour chercher les aliments à mettre en place, plus le service et j'en passe, mais bon, c'est la life MDR. Non, tu es pas sérieux. Non, 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 non. Ah, quoique, non, ça va en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il a récupéré? Merci, je sais comment fonctionne une taverne. Fort sympathique. Ah, c'est vrai que c'est pas facile de trouver autre chose, malheureusement. Voilà, c'est répétition et quand je rentre, je suis un peu... J'en peux plus du chaos. Ouais, j'ai mal lu. Tu m'étonnes. Ah non, pas le chant. Pas le chant, s'il vous plaît. 5 minutes. Ah, je déteste les chants. C'est affolant. Et voilà, il est déjà parti.
Bon, on va aller faire la taverne en attendant. Allez hop. Après, on nous dit que le travail c'est la santé, là, mais c'est tellement ça. Les chants de l'enfer, c'est ça. C'est clair, Captain MDR, les champs de la baston. Et quand tu vas finir par trouver courage, ouais, tu vas sûrement finir par trouver, ouais. Je te le souhaite aussi. Le tavernier ne peut pas vous renseigner pour l'instant, continue à avancer. Te faire revoir. Merci, Captain, merci, Warlock. Alors, le champ, tu es revenu? Eh oui, il est revenu. Il est revenu. Eh ben, je vais te prendre un revers, tiens. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste un dommage collatéral. C'est, t'inquiète. C'est bon, j'ai tout. Bon, ben go la mission. Ah non, 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 ah non, mais c'est épée bouclier, hop, ça sert à rien. Ce sera pas pour de suite. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai acheté toutes les tenues dans le club Ubisoft, mais j'ai pas acheté que les tenues, j'ai acheté aussi une figure de proue, j'ai acheté une voile et. Un mât, un volant, je sais pas comment on appelle, je sais plus comment on appelle ça. Et j'aimerais bien les mettre aussi. Comme derrière, comme il a poussé, aucun respect. Chez moi, j'appellerais ça le chant des cigognes, MDR. Lancez la mission. Chevalier, qu'a donc subi votre navire? Il a essuyé quelques coups de canon. Je suis parvenu à couler trois navires, mais. Le Gerfo a bien failli les suivre. Avez-vous connu meilleure fortune, chasseur? En effet, mes sources m'ont informé que Samuel Smith cherche par tous les moyens celui de faire fonctionner cette boîte si étrange. Il vient juste de rentrer d'Europe. Où se trouve-t-il? Il répare sa goélette. Si vous faites vite... La cigogne de la baston, Tintin. Ici. Oh, vous vous souvenez de ces plans? J'ai chargé un ingénieur de fabriquer cette arme pour votre navire. On va dire ça au patron MDR Tonio. Il se fout que t'as mal partout, ouais, les patrons, c'est des chiens. Merci, mon ami. Je suis au service de mes frères de l'ombre. Canon à barillet, maintenez R1 pour tirer sur les points faibles au canon à barillet, passer en mode visée libre avec R1. Ok. L'humanité de nos jours, ça pue. Capitaine. Alors tu te calmes deux secondes, tu vois. Oui, tant que tu bosses pour pas cher, le reste, ils s'en foutent, mais c'est ça. Alors. Puissance bouleron. Et c'est tout. Et apparence du Morrigan, c'est pas pour de suite, ok. Ok. Bon, ben, il y a quelques petites améliorations à faire.
Oui, les patrons pensent qu'à rentrer de l'argent, le reste ils s'en foutent. C'est ça ce qui manque cruellement à notre société. C'est la compassion. À bord. J'ai décidé de me joindre à vous. Il y en a déjà eu de la compassion? Au moins une fois dans ce monde. Tu es d'humeur bien jocale, chef. Pourquoi bouder mon plaisir? Je dispose d'une nouvelle arme et j'aurai bientôt l'occasion de m'en servir. Maintenant, dès que tu te mets d'autant en arrêt maladie, c'est un crime pour eux. Que ce soit sera sous haute protection, comme tous les On doit être des robots. Je suis également permis de commander quelques améliorations. Désormais, le Morrigan est équipé d'un éperon capable de fendre les glaces. J'avais eu vent de pareille technologie, mais je ne l'ai jamais vu à l'œuvre. Où est Smith? Dans les parages? Et voilà! Heureuse coïncidence! Dame Fortune ne cesse donc de vous sourire. Il nous a vus. En chasse. Mais ne tirez pas. Nous ne pouvons pas risquer d'abîmer la boîte ou de la voir sombrer. Ce ferrasso ne peut donc pas aller plus vite. Mon navire est à flot, chevalier, contrairement au vôtre. Notre cible est anonymisée. Une histoire de son avis. Vous allez détruire la boîte. Il est peut-être venu retrouver quelqu'un. À moins qu'il n'ait croisé des pirates. Il répare son navire. C'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Si l'un de mes alliés l'avait. Les esclaves modernes, c'est ça. Je l'aurais su sans tarder. En tout cas, il revient de l'Union traversée. C'est le moment de l'intercepter. Smith contrôle les ressources des Templiers, n'est-ce pas? Si nous nous débarrassons de lui. C'est à lui que Washington a confié la boîte des précurseurs. Sans doute la détient-il encore. Shay a raison. La boîte prime sur le reste. On ne doit pas couler son navire. Il faudra l'aborder ou le forcer à s'échouer. Tu galères un peu avec la glace, non, mon petit? Il passe à travers les glaces. On dirait que tu n'es pas le seul à être équipé d'un tel éperon, Shay. Espérons que le nôtre sera aussi efficace. Ça a marché. La voie est libre. La fortune vous sourit encore. Mais ne perdez pas de temps à vous couvrir de louanges. Smith est en train de s'échapper. Une embuscade. Smith ne doit pas s'échapper. Ah, c'est un abordage. Ok. Ok, le jeu qui bug, tout va bien. Travailler pour avoir le droit de consommer, ce droit de consommer nous oblige à travailler, c'est tout à fait ça. Ah, ça nous inspire une conversation très sérieuse, Warlock ça me dérange. Warlock vous invite pour danser sur le bateau. Bordel, sur le bateau. Et les PNJ font semblant de se battre, hein, d'ailleurs. C'est la vie. Allez, moi je veux gifler du monde. Où est le navire de Smith? Occupons-nous d'abord de ces navires. Nous le retrouverons.
suis ravi de le décevoir. D'autant qu'il est toujours à portée. Ohé, ohé, capitaine, abandonné. Tu vois, je lui mettrai une nuque à Samuel Smith. Bateau, plus vite. Merci. J'avais oublié que le bateau il allait à deux alors. Le vent devient vicieux. Foiré, mais dis pas que t'as foutu le feu là. Quelle est cette sorcellerie? Une tactique des Templiers. Ils peuvent recouvrir de flammes des pans entiers d'océan. Sois plus danger. Ou on va finir ensemble. Il jette ses dernières armes dans la bataille. Rien de plus. Il sait que nous tenons. Toute la toile, il peut le supporter. Fermez les perroquets. Ah mais le vent, c'est relou là. Sur moi, je le rattraperai. Et toi, oula. Alors, ouais, du bateau, expression de jeune, MDR, MDR, Tonio, expression. On ne peut plus très jeune. Ah, mais tu es sérieux, m'en fous ta dague à corde. Non, on va faire la pause, on va faire la pause, t'inquiète pas. Oui, surtout. Oui, MDR, les fléchettes soporifiques, c'est la vie. Une relique très ancienne. Empoisonnée. Créée par ceux qui étaient là avant. Oui. Mais peu importe. Les plus grands esprits scientifiques de toute l'Europe n'ont pas su quoi en faire. Il ne me manque plus que le manuscrit pour découvrir toute la vérité. Voilà.
Bah c'est pas grave, ça on s'en fout. C'est optionnel. Le pétrole, vous disposez maintenant du pétrole. Merci beaucoup. Oula, mais il y a 30 millions de trucs à faire ici. Cool, du pétrole, merde. Ah bah, cool, du pétrole. Attends, je vais aller là-bas, je vais aller voir s'il n'y a pas des trucs là-bas. Ah, ok. Donc c'est l'autre côté en fait. On a pas de pétrole mais on a des milliardaires. Ah mais vous êtes tous revenus? Ah ok. Pourquoi pas hein. Écoutez. Mais arrête de bugger bordel. Mon dieu. Ah non, là c'est pour l'assassiner, on s'en fout. Non, je suis sûr que je peux rentrer en fait dans la grotte. Et que je suis juste un aveugle. Ah là, qu'est-ce que je disais, je suis aveugle. Ok, donc le coffre il est là-bas. Oh juste, ouais juste. Pas de nier avec. Pas de nier avec ACMDR, ouais. Non, le nier, je le réserve pour Spyro, tu vois. Parce que surtout que Spyro. On a encore deux jeux à faire derrière, ouais. Et oui, je vous le dis, donc. Là-bas, il me faut. Je crois les bombes explosives pour récupérer. Non, c'est pas là du tout. Tout, tout calme. Voilà, merci. On a ça à faire. Totem indigène, déchiffrer le code secret qui dissimule ces totems indigènes pour découvrir d'anciennes reliques. Je sens qu'on va s'abuser. Voilà. Ah bah c'était pas compliqué, tiens. Je crois que c'est après, ça devient chiant. Merci cinématique. Les énigmes, voilà, s'il adore ça, MDR. Oula, je me suis absenté, Captain, c'est lâché. Il me reste juste la peinture rupestre, c'est ça? Comment je l'ai cette peinture rupestre? C'est là, non? Allez, YOLO, YOLO, YOLO. Voilà. Ouais, c'est là. MDR, mais non. Une petite référence au calme. MDR, Captain, oui, une petite référence, moi, MDR, je résiste pas au chocolat, Tonio,
Je me régale, pas pu attendre. Mais si on a tout récupéré, enfin on a quasiment tout récupéré, il nous reste juste deux coffres et après on va faire la pause. Comme derrière, Kat a tout compris. Eh mon petit chai, grimper au total 500 mètres. Ben ouais, ben, écoutez, c'est un assassin, donc logiquement, c'est ce qu'il fait tous les jours. Hein. Chocolat, le mot qui fait rêver Tonio à lire avec une voix de mongolien. Chocolat, c'est ça qu'il faut lire avec une voix de mongolien, c'est ça, tranquille quoi. Ça reste du hashtag Tonio. Voilà, si j'oublie le mot. On va pas aller loin, messieurs. Je ne fais que passer. Foutez-moi la paix. Allez, tiens, bim. Juste pour le plaisir. Tout calme le jeu. Allez, petite pause de 5-10 minutes. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi si vous êtes ok. On fait la petite pause de 5-10 minutes maintenant. Après, on reprend tranquille pendant 1h30. J'ai tout mangé le chocolat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. MDR, c'est une musique, ça, je crois. Oui, Warlocks, ok, bonne pause à tous. Ok, pas de soucis, donc je vais couper la caméra. D'abord la caméra, après on verra. Paramètres avancés, caméra, voilà. Et je vous dis à tout à l'heure, dans 5-10 minutes. Je pense plus que je vais courter la pause à 5 minutes cette fois. A tout de suite.